La France a toujours dit que, dans la mesure où elle était non seulement menacée, mais attaquée par Daesh, il était tout à fait normal qu'elle prenne le devant et que, dans le cadre de la légitime défense, elle puisse faire des actions. Nous l'avons fait déjà dans le passé, et là, nous l'avons fait à nouveau aujourd'hui, puisque Raqqa, comme vous le savez, c'est le centre de commandement de Daesh. Voilà, donc on ne peut pas se laisser attaquer durement. Vous avez vu le drame qui se sont passés à Paris, sans en même temps être présent et actif. Mais au bout du compte, il faut une solution politique. Et nous, contrairement à ce que j'entends parfois, nous avons toujours été partisans de discuter avec les uns et les autres. Nous discutons avec les Russes, nous discutons aussi avec les Iraniens. Samedi, nous avons discuté à Vienne ce sujet, la Syrie. Nous étions là et il y avait non seulement le représentant américain, M. Kerry, le représentant russe, M. Lavrov, mais il y avait moi-même, et il y avait le représentant iranien et d'autres. Et nous avons avancé samedi pour essayer de trouver une solution en Syrie, qui doit être une solution politique. Nous ne sommes pas mis d'accord sur tout, et en particulier sur que deviendra M. Bachar el-Assad.